Bulawayo est un centre commercial et industriel. C'est à Bulawayo que naquirent les premiers syndicats noirs. En 1988, la paix revint quand les Shona et Nebele signèrent un accord d'amitié et fusionnèrent leurs partis respectifs. Dans le centre-ville où les rues sont tracées au cordeau, on trouve un nombre important de maisons coloniales bien proprettes et de bâtiments coloniaux imposants comme la poste ou l'hôtel de ville. Le musée du rail abrite une collection de locomotives à vapeur et le wagon privé de Cécile Rhode. Cécile John Rhode était un homme d'affaires et un homme politique britannique, fondateur de la Rhodésie, en l'honneur duquel elle fut baptisée. Sa devise personnelle est restée célèbre. Tant de choses à faire, si peu de temps. Helps when the snares get caught around the neck. If you've got a collar, it gets caught around the collar, so it doesn't actually strangle the dog. Okay. So that's twofold. Okay. La région abrite une des plus grandes concentrations d'art rupestre de l'Afrique australe, art qui met en scène la vie des sociétés de cueilleurs-chasseurs à l'âge de pierre. Une partie seulement de ce patrimoine a résisté aux attaques du temps,
et aux dégradations résultant des activités des populations plus récentes. En dépit de ces dégradations, des centaines d'abris témoignent, à travers des fresques souvent complexes et très artistiques, de la vie et des modes de pensée des populations anciennes. La région des Matopos est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO pour la beauté du site, caractérisée par des formations granitiques exceptionnelles. Cécile Rhodes repose au sommet de la colline, baptisée